l'idée, c'est aussi d'informer les jeunes qu'il y a des formations, et même des formations de niveau supérieur dans les monts du Lyonnais, qu'on n'est pas forcément obligé de partir très loin pour trouver la formation qui va bien. Bonjour, Xavier Laurent, directeur de la maison familiale de Saint-Laurent-de-Chamoussé. Donc, je suis là aujourd'hui pour présenter les formations de l'AMFR et DMFR du Rhône aux jeunes du territoire. Donc l'AMFR de Saint-Laurent-de-Chamoussé, elle accueille 400 jeunes et adultes en formation, de la 4e au niveau licence, dans les domaines de l'agriculture, du service aux personnes, de l'animation, du tourisme et de l'animalerie de laboratoire. On est au service du territoire, c'est le leitmotiv des maisons familiales. Il y a aujourd'hui un besoin dans tous les secteurs professionnels de jeunes, et l'idée c'est aussi d'informer les jeunes qu'il y a des formations, et même des formations de niveau supérieur dans les monts du Lyonnais. Le plus important, on ne sélectionne pas sur le niveau scolaire, parce que souvent en plus les jeunes s'ils viennent chez nous, c'est parce que c'est pas toujours facile dans le système classique. Alors c'est moins vrai pour les élèves du supérieur, mais c'est les savoir-être, c'est dire bonjour, c'est se lever le matin, être à l'heure, et puis de la volonté, quoi, de la curiosité. On est entre 80 et 100 jeunes sur le site chaque semaine. On connaît chaque jeune individuellement et on l'accompagne dans son projet. Puis une relation un petit peu différente de celle qu'on peut trouver dans les établissements scolaires classiques. Alors on vient aux portes ouvertes le samedi 28 janvier. Toutes les maisons familiales du Rhône et même de la région sont ouvertes ce jour-là. Sinon, on passe tout simplement un coup de fil à la maison familiale, on va voir sur le site, on peut visiter, on peut voir toutes les formations et puis pas de problème, on reçoit tout le monde.